Nous allons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamez très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Il est le Seigneur de Seigneur. Le Dieu tout-puissant, c'est le richesse. Nous allons élever le Seigneur en tout temps.
Il est digne de gloire. Il a vraiment montré ce jour-là. Zamba honoré bisognoso. Nous étions ici au poste. Et il prévait du côté de l'aéroport à 18 km. Côté de Bumba là-bas. Et de l'autre côté aussi. Je te dis au nom de Jésus. Je te dis au nom de Jésus. Ça va fonctionner, va porter les nains à ta guérison.
again. La main de Dieu était par là. C'est pourquoi tu vas être très reconnaissant. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Si je ne le fais pas, je manque du respect à ton égard. C'est pourquoi ça a glorifié au Dieu. C'est toi l'espérance et le sang. Aux Aranaïo glorifié, Seigneur. Sois glorifié, ô Dieu. Aux Aranaïo élevé, mon Dieu, mon rocher. Élevé, ô Dieu. Aux Aranaïo magnifié et tes gloires. Sois glorifié, magnifié, Jésus-Christ. Aux Aranaïo noué, d'appel à l'Iamon, mon Dieu, mon rocher. Sois glorifié, mon Dieu. Yo, mon batterie, la somme, rocher, puissant. Amen. Amen. Oui, il faut aux hommes qui se lèvent à tourner. Nous devons les rendre des actions de grâce. L'idée, après le cas qui, dimanche, on est avec qui, malamonique. La prédication qu'on avait écoutée le dimanche était tellement bonne. Sur l'amour. Gloria Bolingo. Qui n'est que tout droit au but, les potiers. Et cela était allé tout droit au but, ce moyen, Minaméki. On n'a pas encore la montée, il est pasteur Makolo. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Makolo. Romain, il joue à ma vie, madame, je ne vais pas encore la montée. Est-ce que soyez bénis au nom de Jésus? L'un d'entre eux, c'est Guibisson. Comment est-ce qu'il nous avait montré? Les potins de Azoua qui m'a bénis à côté de mon endroit. C'est le potin qui avait pris l'argile et l'a fait entrer dans sa maison. Il est la Kaboli. C'est lui qui a séparé cette argile avec d'autres terres. Et puis l'a amené dans sa maison. Alors à Sangis, il a rassemblé l'argile qu'il avait pu lui rassembler. Et si tu t'es trouvé parmi ceux-là que le Seigneur a volé. Donc le ministre nous avait dit qu'il ne parlait pas du vase qui était brisé. C'est Israël dans la prophétie. Moi j'avais bien saisi. Mais il avait parlé du vase qui avait réussi. Non, c'était bon. Mais ça a qui était au courant. C'était vraiment bon pour tisser l'amour parmi nous. C'est très important. Les amis ont tué à Colin. Parce que ceux qui amour les athées, tout espérer t'es animé toi. Parce que s'il n'y a pas d'amour, nous ne devons pas non plus espérer en l'enlèvement. Ceux qui pouvons espérer l'animé toi. Si nous pouvons espérer en l'enlèvement, nous avons bâti amour dans la cathédrale. Dis le Seigneur a mis l'amour en nous. Amour, pardon. Mais bon, il veut lire, tu ne seras pas là pour rappeler les fautes de ton frère. L'amour supporte. L'amour ne voit pas son intérêt. Il ne voit pas son intérêt. L'amour, il faut atteindre l'amour. C'est pourquoi nous, les frères, nous devons atteindre l'amour. Parce qu'on a dit que faites vos efforts pour joindre votre foi. Vous savez, si pour vous bâtir ça, vous dites la vérité. Oui, ça dit ça. Après la vérité, la science. Si ma mise à la vérité, la science et la tempérance. Oui, ça dit pour Mikamia. La tempérance, la piété. Oui, ça dit l'imenia, la tempérance. Et puis, on va quitter la patience. Pour monter ma moulaï. Et l'amour fraternel. Bolingwa Bondeko. Et l'amour. Pé Bolingwa Tamé. Vous voyez, ma gueule, si ces choses demeurent en toi. Ce qui est l'homme, ça dit qu'à Tina. En tout cas, on va la oisifter. En tout cas, vous allez être votre goïgo et dans votre campagne. Ah, voilà, c'est ça. Mon goïgo.
Donc un paresseux, voici, manque ces choses-là. Mais ces gens-là qui n'ont pas ces choses-là, c'est en deux pierres. Ils sont aveugles. Basali, bateau, maman, à côté. Aux hommes, la marche, ils ont dit il faut atteindre l'amour. Et Seigneur, qu'il y comment ici, là, vous les on a ces trois, ils ont dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et ils ont dit si la oyo et sous la capo, comment la boucle qui belle. C'est très important. Et le Wana, tout tenir la bombe à casse. C'est très important que nous tenions. À cela l'amour parce qu'un homme pas besoin de bateau pas ça parfait parce que le Seigneur prendra cela qui parviendra à perfection cela qui sera rempli d'amour de Dieu c'est très important ils alimentent à tous les cas aussi ma catamou le solité aux oyokas il faut à tout le temps retenir l'enseignement que tu écoutes parce qu'un homme merci à l'église sont tellement malades. Parce que le Seigneur nous a accompli de bonnes choses mais il faut continuer toujours pour saler la vie il va toujours continuer à nous le faire. Il ne va pas nous abandonner. Et voilà pourquoi c'est vrai qu'il doit rendre grâce dans un bien ambassade. Et voilà pourquoi on devrait d'abord commencer par les remercier pour tout ce qu'il avait fait le dimanche. Remercier continuer le Seigneur a pour habitude de continuer à opérer si tu sais le remercier. S'il te trouve têtu et gras, si tu ne sais pas reconnaître ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle un homme fier. Donc c'est ce qu'on appelle autrement orgueil par d'autres gens. C'est lui qui le mérite. Il aime que tout le monde soit humilié. Tout le monde s'humilie. Et que lui seul soit élevé. Écoute, parle de lui lorsque tu es à la maison. Écris ses paroles sur tes portes et tes lenteaux. Faut les mettre sur ta voix. Lorsque tu es en voyage, parle de sa parole. C'est comme si tu es en train de lui jeter. Il aime que tout soit à lui. Parce que tout est à lui en réalité. Il aime que la personne s'égare loin de lui. Dieu est très jaloux. Mais l'esprit qu'il a mis en très jaloux. Il a besoin que nous puissions tomber dans le péché. Que nous puissions aimer la sainteté. Que nous puissions haïr les souillures. C'est cause esprit, mes enfants. C'est à cause de l'esprit qu'il a mis. Parce que l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes mon livre pour Kamba Kabino dans vos solo disons. On a pas encore la nyonson, pas encore la bisson, son amour, la zambé, tombé, t'es à l'eau, Seigneur, Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Toujours sur les sept églises d'Asie. Nous parlons toujours sur les sept églises d'Asie. Et les trois esprits, les trois doctrines combattent l'église. Et il dit mon misato, tout mal avec ce misato, les autres églises d'Asie. Tobati déjà sur le nicolaïsme. On avait déjà commencé avec l'esprit du nicolaïsme. Apocalypse 2, verset 6 pour notre temps. C'est pourquoi nous prenons Apocalypse 2, verset 6. Et puis le verset 15 aussi. Et puis le verset 15. Tout en qui nous combattons à Jésus-Christ. Nous sommes au nom de Jésus-Christ. Tu as pourtant ceci. Vous allez passer le coup et pas. Ce que tu es, les œuvres de Nicolaïs. Les alliés de Yinaka, Misala Baï Nicolas. Œuvre que je hais aussi. Misala Baï Pena Yinaka Nangamo. Verset 15. Toujours Apocalypse 2. De même, toi aussi. L'Olegemoko Yopé Baï Nayo.
Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Que Dieu a béni cette lecture. Que le Seigneur bénisse cette lecture. On avait dit que notre marche dans l'enseignement. Trois doctrines. On va montrer ces trois doctrines. Après, on va sillonner église par église. Et puis, on va commencer à sillonner chaque église. Pour t'aller qui est les sept églises d'Asie. On avait montré que les sept églises d'Asie. Ils ont catalogue la vie. C'est le document du fonctionnement de la vie de l'église. Vous allez remarquer que dans chaque église, il y a ceux qu'on appelle le vainqueur. On va toujours à celui qui vaincra. Na oya kubimaka molongi. À celui qui vaincra. Na oya kubimaka molongi. Et molongi en réalité, ça oya benami po ke na ineto. En réalité, le vainqueur c'est celui qui est appelé à être enlevé. Donc le Seigneur a dit à qui? Catalogue Oyo. Le Seigneur avait mis ces catalogues. Symbole sur l'église. Le symbole sur les sept églises. Pour faciliter Bissonios. Pour nous faciliter à nous tous. Makambo encourager. Les choses qu'on doit encourager. Pour accepter Nayango. Les choses qui lui plaisent. Nous devons nous y attacher. Les choses que lui refuse, nous devons aussi les refuser de nous. C'est alors que nous serons des vainqueurs. Comme on l'a fait mention dans chaque église. Parce que grande victoire, c'est l'enlèvement de l'église. Tu dois savoir ceci. Israël avant a possédé. Avant qu'Israël ne possède la terre promise, le Seigneur avait deux fois enlevé le soulier au pied des prophètes. Alongola Moïse. Il a enlevé le soulier au pied de Moïse. Et puis Alongola Josué. Et aussi à Josué. Chaussure dans le colo et sa droit de rachat. Les souliers aux pieds parlent du droit du rachat. Selon Deutéronome chapitre 25. Hein? Selon Deutéronome chapitre 25. Au bandit à partir du verset 5 et à 10. À partir du verset 5 jusqu'à 10. Et aussi Ruth chapitre 4, les autres de la langue. Et aussi Ruth chapitre 4 en parle. Tant Boaz, quand on a dit qu'on s'adressait. Lorsque Boaz s'adressait. C'est pas à un tel. À un tel. Donc il y a des problèmes, il y a chaussures. C'était le problème du soulier. Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en son temps, dans Matthieu 3, dans Matthieu chapitre 3, il a dit celui qui vient après moi m'a précédé. Je n'ai pas le pouvoir de délier le lacet de ses souliers. Il montrait qu'il ne pouvait pas avoir les droits de rachat. Les droits de rachat est entre les mains de Christ. Les deux fois au Lomola Sabato. Et les deux fois que le Seigneur avait enlevé le soulier. Ils avaient dit que Dieu doit racheter deux fois. C'était le signe que Dieu devait racheter deux fois. Il y a la rédemption. Ils avaient dit que la rédemption de l'âme. Mais ici, il y a déjà la rédemption de l'âme. Nous avons déjà obtenu le rachat de notre âme. Mais toujours c'est la rédemption. Mais nous attendons encore une autre rédemption. La rédemption est encore. Vous allez ici pour les autres. Donc vous allez transformer. Nous allons laisser ce corps pour porter le corps de gloire. Recommande dans Philippiens chapitre 3. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 3, dans verset 20 et 21, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 20 et 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera les corps de notre humiliation. Dans ces corps, nous prenons le corps d'humiliation.
C'est le nom que c'est important. Même si tu l'arranges dans toutes les formes. C'est seulement le corps de ton humiliation et cela ne va pas changer. À la fin, ce corps-là verra la corruption. Le corps de l'humiliation selon les Écritures. Qui transforma le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Promesse de la transformation encore. La promesse de la transformation du corps. Et ça aussi un rachat. C'est aussi un rachat ici comme sous nos amis. Nous sommes au Philippiens chapitre 1er. C'est pourquoi en prenant Philippiens chapitre 1er. Verset 12 et 13. Le verset 12 et 13. Dans ma lumière, la 13 et la 14 directement, je vais rendre Jésus-Christ. Amen. En lui, vous aussi. N'ayez pas de paix. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. Donc le Saint-Esprit est pessami pour la rédemption. Donc le Saint-Esprit est donné pour une rédemption à venir. Donc dans le même temps, il faut aussi racheter. C'est pourquoi pour que ce Saint-Esprit vienne, tu dois être racheté. On a racheté. Et c'est que le somme aussi. On a la rachat. Parce que tu attends un autre rachat à la vie. Rachat nous soit les amis, nous autres et bon on attend tout bien. Et cet autre rachat est que ton corps soit transformé et que tu puisses porter le corps de gloire. Yango moni ma récompense nous en va pécher. À cette église. C'est pourquoi tu vas voir, ce sont les récompenses que Dieu a données à cette église. À celui qui vaincra. Nous combattons déjà dans la victoire. Mais toujours et encore victoire. Mais nous attendons encore une autre victoire. Il y a Paul à Romains qui a dit dans Romains 16, verset 21. C'est ce que Paul avait dit dans Romains 16, verset 20. Il faut y être que tu vas savoir avec l'œuvre de la croix. Satan est écrasé. Mais l'écriture résonne encore. Mais l'écriture rajoute encore. Dans verset 21 de Romains 16. Au verset 20 de Romains chapitre 16. Les dieux de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Satan est déjà écrasé. Satan est à Niatama. Mais sera écrasé. Parce qu'à Niatama, il y a donc, ils attendent au côté qu'un corps n'a évolué. Donc, c'est lorsque tu vas laisser ton corps ici. C'est que le Satan a écrasé. C'est-à-dire que Satan est encore écrasé. Il y a un autre remarqué tant que nous verrons l'Apocalypse 12, l'Agnon, son amour. C'est pourquoi lorsqu'on va parler de tous les chapitres d'Apocalypse 12, tant que Kaka va présenter l'enfant accueilli. Lorsqu'on a présenté l'enlèvement de l'enfant vers le diable, à la suite de la lecture, tu vas voir la précipitation de Satan et ses anges. C'est un fils, ce fils-là a vaincu Satan. Moi, non, pas, il y a l'homme Satan. À ton moni combat Michael avec ses anges. On a parlé du combat de Michael avec ses anges. Ils allaient capable expliquer le mouvement et le fils soit accueilli. C'était seulement pour t'expliquer le mouvement du fils qui fut enlevé. Donc il faut y évacuer tout autant pour la peau dans ce 14 et l'homme. Tu dois savoir que nous marchons pour qu'à la fin nous puissions obtenir la victoire. Il y a beaucoup moins dans une des églises. C'est pourquoi tu demanderas la tête à mon corps d'église. Ma paix si promesse à celui qui vaincra. On a donné la promesse à celui qui vaincra. À cause de man caché. À cause de ma paix, il y a un bon la sangou pour mon bébé. Bon, mal les amis cachés avant, c'est quoi les amants révélés? Donc là-bas c'était la main cachée, maintenant c'est la main révélée. Bible, la Bible ne dit pas ainsi. Dit l'Apocalypse, c'est ça, main cachée.
Juste l'Apocalypse, on parle de la manne cachée. C'est un verset. Ésaïe dit commis. Donc, Ésaïe à celui qui vaincra. Au moins, nous sommes au monde. Tel que nous combattons là maintenant. La vie. Dans cette vie. La souka. À la fin. Ce qui est aussi ici. Si nous terminons. Récompense. Notre récompense. Manne cachée. Ma pomme, on va la sentir. C'est comme ça. C'est comme ça, bien. C'est là qu'il parle au mal révélé. Mais sa promesse, mal cachée. La main cachée est une promesse. On nous demande à souk à course. Tu vas les recevoir à la fin de ta course. C'est un des mots l'écriture. L'écriture est comme ça, bien. T'as pas besoin de respect l'écriture. Lorsque tu respectes selon l'écriture, au parbola, tu es béni. Au mal caché. Maintenant, si vous avez un mal révélé, le nom de Manu est mis à l'homme. Non, c'est pas ça. En ce qui concerne la manne cachée, il faut y battre. Tu vas savoir, bien aimé. Manne est comme un grain de coriandre. Manne est comme un mbouma de coriandre. Donc, or mbouma, donc les grains, dans 1 Corinthiens 15, selon 1 Corinthiens 15, pour la comparer mbouma na corps. Paul compare les grains au corps des hommes ou au corps des créatures. Vous en avez marre? Amen. D'accord. Alors, il faut évoquer. Tu vas savoir bien. Ma corps n'y a sur les allégés sur la terre. Donc, tout le corps qui était sur la terre est corruptible. Il y a un mot pour la table. Oui, donc c'est ça. Corruptible, c'est là qu'il dit pour la table. Donc, c'est le corps qui voit la corruption. Mais ton mot là dit un grain, parce que le grain, c'est un corps. On avait vu un grain parce que le grain, c'est le corps. Ton mot là dit. Un grain oyoyo, bah bongi saki, un grain qu'on avait préparé, bâtié na katia sandou, et on a mis dans le bombia, dans l'arche, on l'a conservé dans l'arche, et pour la terre. Et ces grains là n'étaient pas moisis, c'est un corps incorruptible. Les amis, tout le monde a commencé à pour la terre. C'est ça le langage mal caché, bah t'es yo t'es mal révélé, y a pas de mal à moi, bah pour. Mais ça c'est ça mal révélé. Verset de la manne révélée dans la Bible. Manne révélée. Manne à toi et bien ça m'a poli. Manne cachée, je t'ai dit ça. Victoire sur la mort. La manne cachée, les alliés, et l'homme qui a colonne à l'Iwa. Donc, ils avaient dit d'avoir manne ou souche. Donc, il y avait d'autres mannes. Si tu les conserves, et mettez vous tout épouli. Et si cela passe la nuit, cela va moisir ou pas. Maman, le lion, souvent, les avocats, ça. Tous les prophètes. Et toutes ces mannes représentaient tous les prophètes. La sagesse qui est la mandunda. Ils se limitaient au tombeau, à la mort, à la corruption. Ils ne vaincraient jamais la nuit qui est la mort. Ils ne parviennent pas vaincre la nuit qui est la mort. Mais il y a manne moko caché. Mais il y avait une manne conservée. Wana est pour la rater. Et cette manne-là ne pourrit jamais. Et c'est cette manne-là qu'a fait. Le Seigneur a besoin. Le Seigneur va te la donner. Cela veut dire qu'on peut son corps de gloire. Cela veut dire le Seigneur, qu'on peut son corps de gloire pour la terre. Au moment où on a mon corps d'église, on va aller voir dans l'une des églises d'Asie. Et ça va être. Le Seigneur a besoin son corps de gloire, manne cachée. Et ce corps de gloire, c'est ça la manne cachée. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, tous les amants, on a dit trois doctrines. Nous parlons d'abord de trois doctrines. Par l'âme de Dieu. Nous avons mentionné quelques points dans la tête de cette église. Nous mentionnons seulement quelques points dans cette église. Total, il s'agit que Nicolaïsme. On avait montré que la doctrine de Nicolaïsme. Nicolaïsme, en réalité. Le Nicolaïsme. Il va pour conquérir les peuples. Pour conquérir les peuples. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a pour ce cela. Et donc, ils aussi ma mission. Ce qui nous attire le plus, dans le verset 6e et Apocalypse 2, lorsque nous regardons le verset 6 d'Apocalypse 2, le Seigneur a inakayango. Le Seigneur et ses œuvres-là de Nicolaïte. Mais nous, nous avons inakayango. Si tu le Seigneur déteste, toi, tu ne peux pas l'appuyer. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, moi, donc, l'enfant d'une maison. Et dans cette maison-là, le père, c'est Dieu lui-même. Maintenant, le père est où déteste ces œuvres-là. Il y a un moment qui
chrétiens. C'est pourquoi il avait loué les chrétiens de l'église d'Éphèse. Alors, pourquoi? Pourquoi il les avait loués? A remarqué que Nicolaïsme. Il avait remarqué que ces frères-là s'opposaient aussi aux œuvres de Nicolas. Donc, pouvoir de l'homme sur l'homme. Au compte, si à Monte Nicolas, Monte. Il y a votre mot là qui est en gros dans Ecclésiaste 8. On avait vu cela dans Ecclésiaste 8. Le verset 9. Les amis pour en rendre l'autre malheureux. Les amis pour en comme ça, on y va, on t'en va, on t'en passe. L'être tambo là qui petit à petit pour en comprendre. Alors, on avait marché petit à petit pour comprendre. Cette nature-là, l'olenge wana, est un nature du monde. Les amis, l'olenge à mon kili. Tout à l'issé qui n'a matière 20. On avait montré dans Matthieu 20. Nous avons pris verset 25, dans verset 26. Hein? On avait pris le verset 25 et le verset 26. Lorsque le Seigneur a zorobabouillé, lorsque le Seigneur était en train de dire ceci, à l'obi, tout autant la bonne combo de Jésus-Christ, nous les lisons au nom de Jésus-Christ. À l'obi, Jésus les appela. Yesu, amen, la kimango. Dans le verset 25, qui est Matthieu 20. Et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannissent. Et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc on a une domination. Vous voyez cette domination là? L'homme. Bon. Monte l'icône à monte. Alors, on est comme un catinari. Il a dit cette chose-là ne sera pas de même au milieu de vous. Parce que la vie des nations, pour être comme il y a des colos à monte. Le Seigneur a expliqué en gros. Le Seigneur l'avait expliqué. Il faut pas que les nations n'y ont sur la terre. Il va savoir que toute nation sur la terre. Et ça, a un totem en gros. A son totem ou son signe d'animal. Congo na biso eza léopard. Notre Congo pour totem de léopard. Soko jui Côte d'Ivoire aza éléphant. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Aujourd'hui Cameroun aza lion. Vous prenez le Cameroun, c'est le lion. Maroc pas aza lion. Le Maroc aussi c'est le lion. France aza coq. La France c'est le coq. États-Unis d'Amérique aza aigle. Les États-Unis sont l'aigle. Nigeria pas aza aigle. Le Nigeria aussi c'est l'aigle. Libéria aza la fourmi. Le Libéria, c'est la fourmi. Angola, c'est la girafe noire. L'Angola, c'est la girafe noire. Chaque nation sur la terre, a son totem propre. Les a pas maté. Cela n'est pas en vain, bien. Zambéna contre la nation. C'est le Seigneur qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Maintenant, nation, où est-ce que pouvoir pour les Kamaninas? Maintenant, la nation qui a plus de domination sur les autres. Zamba benga kaye serpent. Le Seigneur l'appelle le serpent dans la prophétie. Il y a vraiment le verset premier, il y a Genèse 3. C'est pourquoi le verset premier de Genèse chapitre 3 était à Mamabé. Ces versets-là étaient très mal. Dans la doctrine de Bélé. Dans beaucoup de doctrines. Après, il y a emporté aussi Batumusus. Après cela, emporter aussi d'autres personnes. Sokotangi, Genèse 3, verset 1er. En lisant Genèse 3, le verset 1er. Parce que tous les hommes ont les tyrans, comment ont-ils dominé? Vous êtes tous les hommes qui ont dominé à la bateau. Mais Yahweh a l'endé, moi, n'a pas n'a bisou. Mais que cela ne soit pas ainsi parmi nous. Dans le verset 1er, Genèse 3. Le verset 1er de Genèse, chapitre. J'ai le nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Mais texte sur une portion. Mais cette portion du texte. Portion de l'obité que le serpent a gagné à la rise. Ce texte ne dit pas que seul le serpent était risé. Yo, aux avons dit civilis la grand-mère, la classe, aux avons la personne. Quand tu avais toujours dit civilis à la grand-mère, français bien. Quand tu connais bien le français. Et puis si il y a ça, plus risé. On a utilisé le sujet. Que les autres. Plus risé que les autres. Cela veut dire que les autres sont des risés. Et quand on a mis sous super, ça n'a pas de point mêlé. Toi qui as connu des points français. Vous avez un point mêlé. Mais la Bible française, on va en compte. Mais tu ne parviens pas à comprendre le français.
bénédiction, ces versets, et l'unité qui se planta à l'azalari. La parole de Dieu, le serpent était brisé. Ils ont tagué ça, ces versets bon. Ces vents à briser. Donc, à cela qui m'a dit, m'a béni. Mais la m'a mis sous souper, ma zamari. Mais les autres animaux ont aussi été rusés. C'est ça, c'est écouté. Il y a beaucoup de l'économie. Bon ami, les abonnés. Pourquoi les choses se sont passées? Parce que maniamant, la bataille, ça va toutes les nations. Parce que ces animaux-là représentent toutes les nations. Et la terre. Et toutes les nations sur la terre, Pédigo, l'Union sort à la sienne. Lorsque le Seigneur a précipité Lucifer, Satan. Lorsque le Seigneur précipita Lucifer, Ézéchiel 28, verset 17, des hommes m'a envoyé. Ézéchiel 28, le verset 17. J'ai dit ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 28, au verset 17, des hommes m'a envoyé. Ézéchiel 28, le verset 17, dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Mon témoignage est ton quoi ma qui le colo, il y a mon témoignage. Qui a corrompu ta sagesse. Donc Satan a une sagesse mais corrompue. Donc le diable a une sagesse corrompue. Dieu a la sagesse pire. Zabia Sali n'a pas mais Zali Peto. Maintenant Satan corrompit sa sagesse. Satan a béni ça qui boit. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc, tant que nous sentons à précipiter, lorsque le diable est précipité, a quitté avec sa sagesse. Il est descendu avec sa sagesse. Mais sa sagesse corrompue. Parce que les amis, vous voyez, ils ne paient pas les amis. Mais le meilleur sous sa sagesse, on a même un mot, et ça n'arrive. Dans ce notre là-bas, c'est une sagesse qui a de la ruse. Il y a aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 3. C'est pourquoi nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3. Dans la foyer que le Seigneur a nous dans le Proverbe 27, verset 20 à 21. Nous savons que le Seigneur a dit dans le Proverbe 27, verset 20 à 21. J'ai mis par écrit, Natia n'a pas commis des conseils, ma toli et des réflexions. Peu pas ma canisie. Si on dit sur réflexion, si on te parle de la réflexion, a besoin de réfléchir. Il n'a pas besoin que toi tu puisses réfléchir. Donc, verset a déjà réfléchi. Donc, laisse-le. C'est ce qu'on dit. Le verset, c'est le produit fini de la réflexion de Dieu. Ah, on va dire bien, bien. Qualificatif, on les a bien. Produit fini. Tous les antécoutes, les dit, apportez les critiques. On va l'aider pour réfléchir, ma canicine. Écriture ne dit pas mon terme. L'écriture ne dit pas ainsi. On a mis par écrit, Mathia Namamouni, des réflexions. Donc, on t'a mis ici. Donc, je me parle. Donc, c'est déjà une réflexion de Dieu. Donc, c'est déjà un tabac à l'issue. Maintenant, il y a une réflexion de Dieu pour nous tirer à l'eau. Maintenant, toi, tu as la réflexion divine pour mettre la sienne. Mais faut s'en encourager. Le Seigneur s'en entend tout. Nous avons mis à l'issue. Maintenant, il y a une réflexion pour tirer à l'eau. Le Seigneur a réfléchi. Toi, tu vas enlever pour mettre la sienne. C'est très grave. Il s'agit pas si. Il faut pas que le diable a quitté avec la sagesse corrompue. Satan a quitté la maillée. Dava qui dit la sagesse corrompue. Lorsqu'il est descendu avec la sagesse corrompue, il sillonne dans des animaux. À sa ligne causée, il n'y a pas de manières. Et à mon écriture, les autres vont d'abord dans 1 Corinthiens 3. C'est pourquoi l'écriture dit dans 1 Corinthiens 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Nathalie, on a compris Jésus-Christ, quand il y en a 22. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ses siècles, donc selon les mondes, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc, quelqu'un qui est sage, selon les mondes, on lui a conseillé. Comment les bons deviens fou pour qu'on m'amène sage. Afin que tu deviennes sage à la suite. Donc pour le portail, il sait que. Donc pour montrer. Ma cambo est dans la sagesse où il y a monde. Donc les choses qui sont dans la sagesse du monde. Pour la sagesse de Hazan. Pour avoir cette sagesse de Dieu. Il faut dire que. Oyo est dans la sagesse du monde. Et bien la mot folie. Tu dois accepter que la sagesse du monde soit appelée folie. Ah.
Que la sagesse du monde appelle les choses de Dieu folie. Et maintenant, comment la sagesse à son alors tu verras la véritable sagesse. Que Dieu bénisse. Amen. À continuer. Il continue. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Les amis ont les mains de bosser en Zambé. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur rise. Wow. Donc, sagesse, nous sommes déjà à la rise. Donc, toute la sagesse du monde est à la rise. C'est ça le mouvement de Genèse 3, verset 1. Et c'est ça le mouvement de Genèse 3, verset 1. Rise, c'est ça le mouvement de la rise n'est pas seulement chez un seul animal. Parce que pays Nyon, c'est ça représenté par Nyon. Parce que tous les pays représentés par les totems. Et tout pouvoir les a entourés par des sages. Et tous les pouvoirs sont entourés par les sages de cette nation. La Bible appelle ça rise. Biblie est déjà au maillet des mains. Et où tu vois? D'où cela provient? Et où tu es Ézéchiel 28? Cela provient d'Ézéchiel 28. Les malins qui descendent. Satan Azalikita a possédé ces animaux. Et il possède tous les animaux qui sont nés. Et Dieu bénisse. Amen. Alors tu vas remarquer dans tout cela. Et encore. Verset 20. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Là, c'est Dieu qui dit, hein, ce n'est pas les amis, Azor va penser ma sage. Il parle des pensées des sages. Tout ce qu'ils ont. Savoir devant Dieu, c'est de la vanité. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer, même. Son portail. Si tu remarques. Dans les écritures que je vous avais données autrefois. La nation où ils allaient si haut élevé. Les bottes et tout moment pour les cabas. Les couleurs de la nation Jésus au-dessus des autres nations. L'écriture dans l'écriture. Ma bête a gagné toujours serpent. Cette nation est appelée serpent. Et avant la chose qu'il avait écrite, c'est pourquoi je réponds encore avec ces écritures. Nazui Esaïe, chapitre 14. Je prends Esaïe, chapitre 14. Parce qu'il faut vous voir très bien, c'est ça l'enseignement de la Bible. Parce que vous devez bien le maîtriser, c'est ça l'enseignement des Saintes Écritures. Au moins le verset 29. Vous remarquez le verset 29. Isaïe 14. Isaïe 14. Christ. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins. Vous savez la terre, mon père Philistine. De ce que la verge qui t'est frappée est brisée. Alors, les mêmes que ça dit qu'on est taillé au bout de la terre. Car de la racine du serpent. Pour être dans mon sissaire, il y a un cas. Sortira un basilic. Et quand il m'a mis comme sous les basiliques. Vous voyez, basilic, vous voyez, c'est serpent basilic. Comment on a envoyé Nazo remplacer serpent ou Yaboui? Parce que c'est lui qui remplace le serpent qui est tombé. Serpent Yatawa Nazo Kouéa, la mère Isaïe, c'était la Syrie. Le serpent de ce temps-là qui tombait, c'était le royaume d'Assyrie. La Syrie dominait toute la terre Natawa. La Syrie Zara qui compte à ma mère mon bimba. Et le Seigneur, la Zoné, la Yé, c'est bon. Et le Seigneur l'appelle comme le serpent. Cela veut dire à ça plus visé. Mais les autres nations aussi étaient rusées. Mais pour ma cambonayo est réussi. Mais pour que tes projets réussissent, il faut y a une alliance épanée. Il faut faire alliance avec cette nation. Ce qu'on est en alliance épanée était au réussir des. Si tu ne traites pas alliance avec lui, tu ne réussiras pas. On est Ézéchiel 31 là-bas. Et c'est ce que dit Ézéchiel 31. Ézéchiel a reçu un message à Zambé. Ici, Ézéchiel reçoit le message de l'Éternel. Pour aller à l'Égypte, Nathan. Pour l'adresser à l'Égypte en ces temps-là. Ézéchiel a été en captivité à Babylone. Ici, Ézéchiel était en captivité à Babylone. Et Nathan. Et en ces temps-là. Babylone a été la nation élevée. Babylone a été la nation élevée. Babylone a reçu le pouvoir. Babylone avait reçu le pouvoir. Tangou Assyrie a tombé. Lorsque le royaume d'Assyrie était tombé, Oya a remplacé
c'est Babylone. Et celui qui l'avait remplacé, c'était Babylone. Il y a beaucoup remarqué, roi à Babylone. C'est pourquoi tu vas remarquer que le roi de Babylone. Sauf d'abord, na Esaïe toujours 14. En prenant d'abord Esaïe 14. Bazo prophétisé dans le roi à Babylone. On prophétise déjà sur le roi de Babylone. Écoute ce qu'on est en train de dire. Bazo le baboué. On dit ceci. Na verset 3. Au verset 3. Il y a Esaïe 14. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fit imposer, maintenant, comme il a verset 4, Esaïe 14. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et qui dira? Donc suite du roi de Babylone. Toute la suite c'est sur le roi de Babylone. Maintenant on parle du roi de Babylone. Écoute comment on parle. La suite verset 12. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Si on a besoin de la serpent, le diable. Ici, on parle du serpent, le diable. Mais Ababéni est Babylone. Ici, on appelle Babylone, le roi de Babylone. Vous suivez attentivement. Et pour montrer ce que, pour montrer, c'est vraiment le roi de Babylone. C'est vraiment le roi de Babylone. Dans le roi de Babylone, ils ont précipité. Lorsque le roi de Babylone est précipité, dans ce jour de mort et en bas, lorsque le séjour de mort l'avait acquis, verset 9. Le verset 9. Le séjour de mort s'est mis. Mon Kiyabawe Fongwa Min. Jusque dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée. Ces choses qui se disaient du temps du prophète Esaïe, Babylone ne dominait pas encore la terre. On montre comment Babylone tombera. Parce que le Seigneur connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne débute. Il peut raconter tout ce qui va se passer dans la terre. Et c'est ça, Dieu. Il connaît tout. Il connaît tes jours sur la terre. Il peut te raconter tout ce que tu auras à vivre au mois de mai. Parce que c'est lui qui proclame les jours de ta vie. Et ça y est, c'est lui qui proclame. Ce n'est pas un autre homme. Déjà, ici, on dit comment les choses vont se passer. Juste dans cette profondeur pour t'accueillir à ton arrivée. Et c'est lui qui nous a mis Satan à mon accueil en bas. Il réveille devant toi les ombres. Et ça dit qu'on a sa émotion dans le bateau et c'est ma. Donc, tant que le roi de Babylone a tombé, lorsque le roi de Babylone tombe, avant il y avait un tyran au sous. Avant il y avait d'autres rois de la terre qui étaient tombés. Égypte, l'Égypte, Assyrie, Assyrie. Vous en avez un? Alors, le séjour des morts, on a mis sa parole pour pouvoir bien roi de Babylone. Dans le séjour des morts, on va les réveiller pour bien accueillir le roi. Tous les grands de la terre. Ma colo va continuer. Il fait lever de l'électron. Tous les rois des nations continuent sur Nicolo. D'abord les ombres. On les appelle d'abord les obélis. Donc, donc ceux qui étaient déjà morts, bien. Maintenant, ils seront là pour accueillir le roi de Babylone à sa chute. Maintenant, verset 10. Le verset 10. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi. Youpé. Tu es sans faute. Comme nous. Le col à biso. Tu es devenu semblable à nous. Donc, la biso, si vous. Égypte a coca qui nous a bêté. Donc, l'Égypte n'était pas parvenu à faire. Ça va créer les problèmes de la chute à quoi. Le Seigneur l'a créé, a créé une chute sur nous. Après, dans ces jours de mort, on a armé, on a baron pharaon. Après, dans les séjours de mort avec Pharaon. Après, l'Égypte est Assyrie encore et pour régner sur la terre. Après, le règne de l'Égypte, c'est la Syrie qui a. La Syrie a échoué aussi. La Syrie aussi a échoué. Avec tous les rois qui étaient en alliance avec eux. A rejoindre encore le séjour de mort d'Égypte. Ils ont rejoint encore l'Égypte.
Maintenant, ici on parle de Babylon. Lorsque le roi de Babylon sera précipité, maintenant celui qui était précipité avant prenne la parole pour lui dire. Et toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu suis attentivement. Là, ils sont en train de parler à Nebuchadnezzar. Et on Nebuchadnezzar, nous coûtons à mais c'est à Nebuchadnezzar, on n'est pas en train de parler. Déjà, ils ont annoncé, madame. Et le Seigneur annonce déjà ces choses. Dans ma zone, ça va chuter, on est en train de. Il montre les chutes des nations. Mais au moins, Nebuchadnezzar, on va comparer à diable. Maintenant, ici, Nebuchadnezzar est comparé au diable. L'astre brillant. Mon docteur, les amis, qu'on gagne. Parce que nous avons dit pour les rois de Babylone. Parce que cette complète était sur le roi de Babylone. Yewanande babengi basilique. Et c'est lui là qu'on appelle le serpent basilique. Yamosokanien à Jérémie 8. C'est pourquoi en disant Jérémie chapitre 8, dans verset 17, au verset 17, l'écriture est selon Maboye. L'écriture nous dit ceci. Jérémie 8, verset 17. J'ai le nom de Jésus. Car j'envoie parmi vous des serpents. Des basiliques. Donc, Arménio Soya Babylone. Donc, toute l'armée des Babyloniens. Basama basilique. Donc, basilique est un serpent. Donc, sont des serpents basiliques. Babo Anande. Basali dirigé par. Les serpents basiliques ont annoncé les Esaïe 14, verset 29. Ce sont eux qui sont dirigés par le basilique dans Esaïe 14, verset 9. 29. Nathalie encore. Babylon de la racine du serpent sortira un basilique. Oui, tu n'as pas aussi ça, il y a eu de côté, il y a basilique. Donc, tant que ma coin ici en Syrie, lorsqu'on a précipité la Syrie, il y a encore la zone libre. Les sorts. Pour qui en sortira? Basilique. Sera le basilique. Néwana tout le monde armé na union sur la basilique. C'est lui qu'on vient de voir comme basilique tout. Et tant qu'oiseau attaqué Égypte. Et lorsqu'il attaque l'Égypte. Dans Jérémie 46. Dans Jérémie 46. Babélien dans verset 22. On l'appelle au verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Donc, c'est lui-là. Zambazo livré d'Egypte à Natan. Le Seigneur livre l'Egypte dans ces temps-là. Namaboko et Nebuchadnezzar. Entre les mains du roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous avez un est-ce que tu suis attention? On a dit les hommes à livré l'Egypte dans Namaboko et Nebuchadnezzar. Pourquoi le Seigneur avait livré l'Egypte entre les mains du roi Nebuchadnezzar? Parce que tant que les avaient dit taille à Babylone. Parce que ces temps ici, c'était le temps de Babylone. Après la Syrie. Mais Égypte, Israël a ça qui m'a non, Israël était dans l'iniquité. Mais Égypte a soutenu Israël dans ma paix. Mais l'Égypte a soutenu Israël dans le mal. Parce que son autant qu'il s'élicias. Parce qu'en lisant le roi Sélicias, à quel ami pour nous alliance dans Égypte, il était allé traiter alliance avec l'Égypte. Pour Égypte a soutenu. Enfin que l'Égypte le soutient. Attends-moi déjà il y a béni Sakinaza. Du temps où lui il n'était plus en harmonie avec lui. Esaïe avait mis ça. Alors il est protégé. Mon Dieu m'a pas été protégé. Mais mon bas t'es dit. Ma première son livre allait m'a pas Israël. Il a dit à Israël. L'Égyptien est un homme. Moïse si tu as dit mon Dieu. Un autre Dieu. À sa tempête. C'est char et ça va cher. Ma calomnie s'est dit à Souni. Et non esprit. Et c'est à mon livre mon terre. Lorsque l'éternel est en train de s'en aller. Quand vous avez accès pour la calomnie. Il est protégé. Mon Dieu m'a pas été dit. C'est l'Égypte. Les protecteurs. Mon bâtiment. Les protecteurs plutôt Isa. Nani, Égypte. Mon bâtiment, ça les protégeait, on va protéger, ça dit Israël. Oh, ma bâtiment, ça les attend pour Israël. Ton père. Ma monnaie, son livre, elle va beaucoup y attendre. Tala. Écoute, sauf qu'il n'a pas un pays. Si je suis dans le mal, soutenir Nadir. Ne me soutiens pas, frère. On voit que nous avons un problème dans ça. Mais tu vas te créer des problèmes avec Dieu. Je vais dire. Mais ceux qui sont au sol. Égypte, ça va carataille la table. L'Égypte, le Seigneur avait prévu le bon. Parce que maintenant, c'est le ciel, ça va déjà dans ma paix. Parce qu'il avait soutenu ce ciel dans l'iniquité. L'homme est failli. Mon toit, ça lui, mon toit, mon toit. Et ça, pas en matin, ça va tirer. N'a pas bébé, il n'a eu
mis au bébé. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a mis à côté les uns des autres. Avant commettre une erreur, je peux commettre une faute. Oh, aimer, tu dois m'aider. Et non soutenir dans le mal. Et non me soutenir dans le mal. Il y a un problème dans ça. Et toi-même, tu vas te créer des problèmes avec Dieu. Il y a un problème dans le mal. Et c'est ce qui s'était passé en ces temps. Est-ce que vous en avez un? Le rôle du Seigneur dans son bébé, royaume des années qui s'y élevé, serpent. Comme le Seigneur appelle le royaume élevé comme le serpent. Les autres nations, ce sont aussi des, d'autres bêtes. Ma bicole, Missus, ma salive, ma niama, Missus, on les appelle à la rise. Donc, ces animaux-là ont aussi leur ruse. Mais où est-ce qu'il est élevé, il n'a pas besoin de ça, plus risé. Mais celui qui est élevé au-dessus de tout, c'est plus risé. Il y a beaucoup remarqué, c'est pourquoi tu vas remarquer que dans les Écritures saintes, la tête y a ma commis et sang. Ma nation, ces rois-là peuvent être sur la route en même temps. Alors, ils vont faire un traité de paix. Ils disent qu'ils vont faire un traité de paix. Et contre nous, ça gagne à l'omalokuta, à sa moutée. Chacun d'eux prévoit de dire le mensonge. Et ça, il y en a pas mot. C'est leur nature. Donc, roi à côté de moi, mais roi va s'élever. Mazan a besoin de conquérir ma territoire, mon coboye. Il a besoin de conquérir certains territoires. Mazan sentit le chemin pour les guérir en mort. Il sent que le chemin par lequel il pourrait passer, il doit mentir. Et c'est qu'il dit à cause de la ligne. Daniel 11, verset 27. Daniel 11, verset 27. Les deux rois chercheront avec quel à faire le mal. Bah, comment on a mis balé la colonne à mon thème à la mort pour ça, la mort. Voilà ma vie, là. Là, c'est la prise. C'est dans le cœur. Et à la même table, dans la table ils parleront avec force. Donc, ceux qui prévoient de mentir à l'autre. Ils pensent que c'est seulement l'autre. Et l'autre aussi, il a des problèmes aussi de mentir à l'autre. C'est ça Deutéronome 11, verset Daniel 11, verset 22. Moi, dit Daniel 11, verset 22. C'est la vie. Il s'en dit pour moi, il n'a pas beau. Alors, on a intérêt à être propre. Il voit son propre intérêt. Aïe, rencontre, aïe, rendez-vous. Il est venu dans le rendez-vous. Bah, Fandi. Ils se sont assis autour de la table. À peuple, il a dit que le roi, a dit que le roi, il a dit que et le peuple sent que les rois se sont réunis pour être en harmonie. Tous les deux autour de la table. Dis à son bon amour que chacun se prépare à dire un mensonge pour nous mettre. Et Dieu le voit, chacun qui se prépare à dire des faussetés à l'autre. C'est ça la manière et la sagesse du monde. Il faut que tu vas savoir que tout ce qu'il est en train de dire. Ils ont préparé à ma conseiller. Et déjà préparé par les conseillers à côté de lui. Des hommes sages. Avant leur rencontre. Roi Pemousus. Et même l'autre. Avant leur homme sage. Il a aussi ses hommes sages autour de lui. Ce sont des sages. Mais ça dit à ton nom. Mais le Seigneur a la lecture, maman. Mais le Seigneur fait la lecture de l'acteur. Et nous serons là. Et tout cela parce qu'il cherche à dominer sur les gens. Pour être ma soeur, nous avons contre sa patte. Vous en avez un? Vous suivez attentivement. Parce qu'au moment où la basilique a tombé, nous voyons comme on voit. Parce que quand la basilique tombe, c'est le dragon volant qui va remplacer. Et ça dit dans la bonne et à ma papa. Dragon volant, nous sommes dans l'Apocalypse 12. Et le dragon volant, nous le voyons dans l'Apocalypse 12. Il est là pour combattre la femme qui est l'Église. Qui vient combattre la femme qui est l'Église de Dieu. Donc, par exemple, c'est le dragon volant dans l'âme. Il s'est dit dans la bonne âme pour moi. Mais ma petite prophétie est d'Ésaïe 14, verset 9. Mais on a prophétisé sur lui dans l'Ésaïe 14. Donc, il faut le bas. Donc, cela veut dire les sagesses, les sages du monde plutôt. Bah, tu n'as pas été en Chili. Ils ont travaillé tout autour de leur royaume. Et tout ce qu'ils font dans leur royaume, le Seigneur voit la ruse. Nous avons bien salué comment on a maillé les mains dans la tâche. Nous la manière de dominer. Et tout cela dans le but de dominer sur le peuple. Et ces choses, le Seigneur a péqué ici à moi l'église. Et ces choses, le Seigneur les a interdites à l'église. Alors, il m'a tombé, il m'a tiré, il m'a
sincérité. L'amour. Les pardons. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ce qu'il faut que donc tu dois savoir ceci, bien aimé, que le nicolaïsme est imité à tout mon livre à Nicolas. Ils ont imité la façon dont les nations marchent. Ils ont imité Donc ils imitent les modèles des nations. Pour approcher de la service. Pour t'approcher dans le service. Il faut avoir un intérêt na yemo kona. Il faut qu'il voie d'abord son propre intérêt. Et par l'outata par tous les moyens. Et il cherche par tous les moyens. Moutois à la zélé pour naïe. Que la personne ait plus de l'amour pour lui. Et non pour le Seigneur. C'est ça Galates 4, verset 17. Et c'est ça Galates 4, verset 17. Paul a mon acquis ma serviteur. Paul avait vu ce genre de serviteur. Azor Obaboué. Il dit ceci. Azor Bissamena Bandimi. Il s'adresse maintenant aux fidèles. Galates 4, verset 17. Galates 4, verset 17. N'ayez pas peur à tout temps que nous avons. Comme je suis en train de te dire. Les ailes, j'ai dit, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Les ailes qu'ils ont pour vous. On y va, Bazali, n'a pas pour la bino. N'est pas pire. Et ça lui peut tout. Il observe certains serviteurs en son temps. Il voyait l'ardeur d'amour de ces serviteurs-là. Mais ils entraînent les gens. Afin que les gens ne soient pas zélés pour Dieu. Alors, il dit ceci. Les ailes que ces serviteurs passent à moi. Donc, on l'aime quoi. On l'aime. Qu'ils ont pour vous n'est pas pire. Oui, bah, ça dit, mais bon, pour la vie, mais ça dit, peut-être. Mais ils veulent vous détacher de nous. Parce que bah, dit, bah, pour la vie, on a dit ça. Afin que vous soyez zélés pour eux. Bon, mais non, ça, on l'aime pour la part. C'est ça le nicolaïsme. Il y a pas de mon livre à Nicolas. Vous pensez qu'à zéler pour eux. Donc, la personne qui est zélée pour Paul avait vu ce genre de serviteur. Donc, Moutou, avant la maison, autant pour aller pour les cacher. Il a besoin que tu puisses l'élever plus que le Seigneur. Comme dans notre doctrine, elles ont méprisé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle méprise le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na côté à l'Équateur, en 2016. À l'Équateur en 2016, il y avait un serviteur qui s'appelait Ngoun. Un bon nom. Mais il était à Mabé. Avec un faux enseignement. Il y a un message à Branham. Il était le prédicateur du message de Branham. Maintenant, il a découvert que. Maintenant, il avait découvert. Branham est un ensemble, Jésus-Christ. C'est Branham qui est Dieu et non Jésus-Christ. Maintenant, après campagne. Maintenant, après la campagne. Abani Kofin a Yesu. Il a commencé à blasphémer contre notre Jésus. Il a dit Yesu Wama avant la tina terre. Il a dit c'est Jésus-là, même pas important. Zambé a solo miyamaro Branham. Le Dieu véritable, c'est Branham. Maintenant, c'est l'erreur à définir. Maintenant, il a commis l'erreur de définir Jésus la campagne. Comme il était en pleine campagne. Il a dit si Jésus est Dieu, ce qui est sur sa vie. Qu'il me dit maintenant. À s'effondrer. Et directement, il s'est conduit par terre. Couché dans notre humanité. Et il a été rongé de verre. En 2016. En 2016. A couché Malamoko. Il est mort directement. Ma coca Kokunda était. On n'était pas parvenu à l'enterrer comme tout le monde. Campagne bataille. Et les gens se sont dispersés dans la campagne. C'est ça vraiment l'Équateur. C'est là, c'est pas ça l'Équateur. Vous voyez pasteur, nous. Donc son nom c'est pasteur. Il a égalé Zambé à Branham. Il voulait égaler Jésus-Christ à Branham. Le Seigneur l'a tué six places. Et le Seigneur l'a tué sur le champ. Ma famille, on a commencé à l'amener. Pourquoi qu'elle est beaucoup d'aide? Enfin, qu'on est arrivé. Les gens sont qui m'a couffé. Parce qu'il sentait vraiment qu'il était rangé de verre. On l'a jeté en double. Nous avons l'impression que c'est. Si le Seigneur dit que tu vas marquer, même si c'est pas dans l'ancienne alliance, le Seigneur l'a fait aussi dans sa vie. Et le Seigneur ne parle pas de Dieu.
les hommes, ils finissent par faire des comptes de bonne conduite. Les documents ont fait qu'ils puissent être sécurisés. C'est seulement l'écriture sainte qui nous sécurise. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons pas les amener. Ma sécurisé. On veut sécuriser le pasteur. Lui, il révoque. On a préparé comment est-ce qu'on peut te capturer pour être derrière les hommes. Copain, ça va dans les armes, mais c'est la parole. Des temps de présent n'est pas mauvais. Les armes, ma présence, les armes, c'est ma rise. Mais il y a des présents avec la rise derrière. Si tu as le Saint-Esprit, le Seigneur va vous convaincre. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te convaincre. C'est très important. Amen. Mais pour nous, merci pour la mission. Les peuples de Dieu, l'écriture, les hommes, ils amis, l'écriture le dit, donc gardez l'amour. Tu es malade, combattre l'amour. Selon la parole. Et marcher selon la parole. Vie la mission et s'attacher à la vérité. Que notre vie s'attache à la vérité. Tout s'opposer à la nature, nous sommes amis. Et nous devons nous opposer à toute nature mauvaise. Il y a mon Joseph. C'est pourquoi Joseph. Il avait dit à ses frères, après leur avoir révélé la bonne parole, ne vous querellez pas en chemin. Ne vous querellez pas en chemin. Dans Genèse 45. Dans Genèse 45. Dans verset 24. Au verset 24. C'est une exhortation que le Seigneur a fait sa mission. Les amis, il est mission qu'on a coupé sa mission. 45, verset 24. 45, verset 24. Alors, puis il est congédia. Puis congédia ses frères. Qui partit? Qui partit? Et il est dit. Ne vous querellez pas en chemin. Bonsoir, Nathé, vous allez vous en. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Les amis, au cours de la salle, s'il y a un problème, il faut vous arranger. Ce qui est salé, il faut vous arranger. Il faut vous arranger. Il faut vous arranger. Pardonner. Vous devez savoir vous supporter. Pour élever le Seigneur. Dans sa grand-mère. Quelle est la route, ce n'est pas bon. Au son à l'intérieur, ça n'est pas la montée. Après, qui sait qui bango vraiment va marcher na Kinya. Joseph Leler avait interdit cela. Et c'est ce qu'aussi le Seigneur a fait la canabiso. Et c'est ce qu'aussi le Seigneur nous demande. Et quand l'amour est en bas, et lorsque l'amour est en moi, vrai amour est en bas, et le vrai amour alors, Togo kerele tenantera. Nous n'allons pas nous kerele en chemin. Togo pèse sa raison qu'à la parole. Nous allons donner raison à la parole de Dieu. Là où on s'est dit que la parole m'a bien au coquita. Là où tu avais mal pratiqué la parole, tu m'as humilié. La personne a savait qu'il m'a bien au coquita. Aussi, je veux m'humilier là où j'avais mal. La copesse à Dieu gloire. Je veux donner gloire à Dieu. La voix élevée qu'est le Seigneur. Je ne veux élever que le Seigneur. Jean-Baptiste a savait dit que j'ai diminué. Jean-Baptiste avait dit qu'il m'a quitté. Qui croise. Qui a ton gloire. Et c'est ce que le Seigneur aussi dans la bonne église. Et c'est ce que le Seigneur demande dans la bonne église. Si tu me vois par exemple, je vais établir les choses que l'écriture n'accepte. Il ne faut pas me les permettre. Parce que l'héritage est commun. Nous tous, nous sommes les enfants de même père. Les enfants de Dieu. Tu ne voudras pas qu'on puisse faire entrer la chose que papa ignore. Il faut qu'on s'oppose. Et tu dois t'opposer à cela dans le monde. Très très situé. Les amis vont tout y avoir. Pour les enfants du royaume. Pour la bonne et à nos conditions. Et Dieu